Il y a eu cette entame de deuxième mi-temps où tout bascule. Votre réaction à chaud, Vincent, sur cette défaite, c'est dur là. Hein? Ouais, c'est dur parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça, mais dans le football, il faut s'attendre à tout. Donc malheureusement, c'est vrai que ce soir, on est très déçus. Je dirais que par rapport à la première mi-temps, on était bien dans le match, on s'est créé beaucoup d'occasions. Malheureusement, au niveau score, on n'arrive pas à se mettre, je dirais, complètement à l'abri. Et tant qu'il y avait un zéro, bah, ils avaient l'espoir et ils ont entamé très bien cette deuxième mi-temps. Maintenant, c'est vrai qu'on prend le but sur coup de pied arrêté, donc c'est sûr qu'il ne faut pas fuir les responsabilités. Donc il faudra analyser tout ça tranquillement demain pour voir un peu comment ça s'est passé. Mais c'est vrai qu'on peut dire qu'ils sont mis dans le pied pendant 4 minutes. En début de deuxième mi-temps. Ouais, deux buts en 120 secondes, en 2 minutes, hein, ça va très très vite. Là. Ouais, ça va très vite, ils ont été performants sur les coups de pied arrêtés, on a été mal défensivement, à partir de là on a pris le cash. De toute façon, on est dans un championnat où chaque match est difficile, où chaque match il faut se remettre en question. Je pense que les garçons l'ont fait. Malheureusement, il nous a manqué quelque chose qu'on avait sûrement dans les autres matchs. On va garder ce but d'avance et garder notre cage inviolé. Donc on l'a payé cash ce soir.